Ivoiriens, mes frères, Ivoiriennes, mes sœurs, chers compatriotes, je vous salue. Je vous remercie car vous êtes nombreux à me suivre depuis le début de mon émission. Vos encouragements me font du bien. Vos critiques aussi me permettent de m'améliorer. Voilà. Aujourd'hui, pour mon émission numéro 25, mon thème est la mobilisation générale pour la libération du docteur Israël Ngoran. Ce monsieur a été arrêté le 1er août 2018 pour xénophobie. Voilà. Tout simplement parce qu'il disait ce qui n'allait pas dans le pays. Comme vous savez, le gouvernement de Draman a créé une loi sur l'apatridie pour donner notre pays à des personnes sans pays et notre nationalité à des personnes sans nationalité. Et pourquoi on ne disait rien et qu'on accepte les postures, ils ont aussi créé une loi contre la xénophobie. C'est-à-dire si tu dis non, ça ne va pas, ça ne peut pas se faire parce que nulle part ça se fait. Donc tu es xénophobe et c'est comme ça qu'ils l'ont arrêté. Donc ce vendredi 10 là, c'est là qu'ils ont décidé de le juger. Il faut absolument que nous soyons tous mobilisés, la diaspora, en Côte d'Ivoire, partout, où l'Ivoirien qui aspire à la justice est, il doit se lever contre ça. Se mobiliser partout pour la libération du docteur Israël Ngoran. Parce que ce vendredi, lorsqu'il va aller au procès, le juge même sait que ce monsieur-là n'a pas sa place en prison. Et que la décision qu'ils prennent là, ce soit pour le libérer immédiatement. Voilà. Trop, c'est trop. Dans ce pays-là, franchement, il n'y a plus de loi, ni on ne respecte rien, on fait n'importe quoi. Donc, aujourd'hui, c'était ça. Je voudrais que vous vous mobilisez. Ne restez pas chez vous à la maison qu'on a l'habitude de faire. C'est pas possible. On est en train de nous prendre au pays, on nous prend nos terres, on nous prend tout ce qu'il y a. On ne peut pas continuer à jouer à l'autruche, faire semblant, on n'est pas content, mais on ne peut pas parler, on va parler. Donc là, maintenant, il fait que des grosses bêtises. Il crée des lois, il arrête tout le monde, il tue tout le monde, il emprisonne tout le monde. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas autre chose que ça. Et ça, là, tout Ivoirien, c'est ça. Ceux qui suivent les actualités en Côte d'Ivoire aussi, Ivoirien ou pas, ils savent ce que ce monsieur l'a fait. Donc, moi, aujourd'hui, c'était pour vous dire que vendredi, là, avant même vendredi, elle a parlé de lui que vendredi, là, il faut absolument vous mobiliser de partout. Il faut qu'on apporte notre soutien à ce monsieur-là, qu'il comprenne qu'il a quand même un peuple. Sinon, franchement, ça laisse à désirer, là. Voilà. Donc, en gros, c'était ça. Pour ne pas répéter les mêmes choses, mobilisons-nous pour la libération du docteur Israël Ngoran. Afin que vendredi, il soit libéré. On ne veut pas attendre encore un mauvais rêve, là, sorti de là. Là, vendredi, là, il prend ses bagages, il rentre chez lui parce qu'il n'a rien à faire à la bagarre. Les vrais prisonniers, c'est eux qui prennent les coups. C'était l'Amazon de Kenti pour les brèves de Anne de Luce. Paix et joie à la Côte d'Ivoire et à bientôt.